sopla. Seguimos la servización. Il commençait par l'Alhambra Maurice Chevalier,
où c'était, il faisait l'américaine de Maurice Chevalier, ensuite il faisait l'écluse, et il terminait en salle d'or. Eh bien, j'ai dit trois Raymond DeVos, qui étaient des leçons fabuleuses pour moi, parce qu'il travaillait suivant les dimensions de la salle, et j'ai vu trois Raymond DeVos complètement différents. Et ensuite, moi j'ai fait les mêmes expériences, bien sûr, je regardais vivre DeVos, ensuite j'ai vécu cela, et il y a eu un jour où j'avais fait un gala au Palais de Chaillot, donc il devait y avoir 2000 personnes à peu près, et ça avait très très bien marché. Ensuite j'ai chanté à l'Écluse, et il y avait à peu près une vingtaine de personnes, et moi j'étais fier de mon succès, et quand je suis arrivé à l'Écluse, je me suis pris une gamelle noire, parce que je chantais comme si j'étais encore au Palais de Chaillot devant 2000 personnes, et naturellement je suis passé au-dessus de la tête des 20 personnes qui étaient là, qui se demandaient qu'est-ce que c'est que cet ouragan qui les écrasait, et ça n'avait pas marché du tout. Et disons que c'était une des premières leçons où on doit se... quand on est chanteur, quand on est sur scène, on doit s'adapter à la scène. Maintenant, si vous le voulez, on va passer la toute dernière chanson. Je la connais pas encore, mais disons que à 20 ans d'intervalle, eh bien, c'est aussi une chanson paysanne qui va sortir maintenant. Donc on se retrouve tout de suite après, ça va me faire drôle, j'ai pas entendu encore, on l'a enregistré il y a à peu près 2 mois, et moi je suis parti en tournée, et maintenant on va l'entendre ensemble pour la première fois, on va voir ce qu'elle vaut, à l'américaine.